Des marais. Vers la fin du mois de février 2008, une habitante de Bishopville, aux États-Unis, retrouve sa voiture dans un état lamentable. Le van est griffé sur tout son avant et présente même des traces de morsures. Le métal semble avoir été littéralement déchiqueté comme du papier par un animal. Il n'en fallait pas plus pour que ressurgisse la vieille légende de l'homme lézard. Une histoire vieille de 2 décennies dont on n'entendait plus parler. Une 20aine de chats de la région disparaissent aussi de façon mystérieuse. Les habitants de la région commencent à s'inquiéter sérieusement pour leurs enfants et on s'interroge quelle est cette créature. Certains attribuent les dégâts occasionnés au véhicule à un ours, mais cela est fort peu probable. Le shérif de la ville, un certain Melvin, privilégie la piste d'un coyote, qui sont nombreux dans le coin. Melvin a inspecté les alentours, il a trouvé un coyote mort à quelques yards de la voiture dégradée, mais aussi une vache. Mais dans ce cas, qui a tué le coyote? Concrètement, le représentant de l'ordre persiste et signe. La version officielle impute l'effet à un chien essayant d'attraper des chats sous un véhicule. D'ailleurs, une demi-douzaine de chats à proximité manquent aussi à l'appel. Le département naturel des ressources, l'équivalent de l'ONF, chez nous, prélève des échantillons de sang sur le capot du véhicule et affirme qu'ils sont contaminés, sans autre précision. Il n'empêche que les citoyens de cette ville de Caroline du Sud se forgent une conviction qui diverge nettement de la conclusion des autorités. L'homme lézard serait bien de retour. Tous les témoins le décrivent comme une créature haute de 2 mètres, à la peau verte, avec 3 orteils et 3 doigts griffus. Autre caractéristique, sa morphologie et son mode de déplacement seraient relativement proches de ceux de l'homme. Le seul problème majeur concernant tous ces témoignages, la bête n'a jamais été filmée, ce qui pose irrémédiablement un problème de crédibilité. Dans le flou artistique ambiant, nous sommes donc réduits à 2 groupes d'hypothèses qui sont à nature radicalement différentes, suivant que l'on soit sceptique ou pas. Premier groupe d'hypothèses. Il s'agit tout simplement d'un animal connu comme le lézard, sûrement d'une dimension exceptionnelle, voire d'hallucination collective. Il est vrai que les hallucinations collectives occasionnent souvent des dégâts aux véhicules physiques. Bien entendu, c'est complètement stupide cette première hypothèse. La deuxième groupe d'hypothèses, probablement plus vers celle-ci que je tendrai, est une connexion parfois directe avec la cryptozoologie, une sorte de créature hybride mélangeant les caractéristiques de l'être humain et du lézard, une espèce préhistorique qui aurait survécu à l'extinction des dinosaures et peut-être muet ou tout bêtement autre chose, un extraterrestre. On peut regretter le caractère sensationnel de ce témoignage, mais d'un autre côté, je lui ai trouvé aussi 2 qualités. Tout d'abord, le fait de laisser parler un zoologiste, un certain Richard Freeman, complètement à l'opposé d'une idée de l'homme lézard. Et ensuite, le fait d'avoir pu retrouver facilement toutes les références des personnes interrogées, ce qui apporte un certain gage de fiabilité à l'enquête. Une chose est sûre, ce mystère est toujours savamment entretenu à Bishopville. Tant qu'on n'aura pas identifié formellement ou capturé cette créature, elle continuera à faire parler d'elle dans les chaumières. La genèse de cette histoire démarre il y a 30 ans, lorsque le jeune homme Christopher Davis creva avec son véhicule. Il s'arrêta alors pour réparer sa crevaison quand il tombe nez à nez avec une créature d'environ 2 mètres qui se jeta sur sa voiture. Heureusement qu'il ne se jeta que sur la voiture, car quand on voit l'état du véhicule, on imagine bien que le témoin aurait succombé à cette attaque.
Le témoin raconta à la police, dans sa déposition qu'on peut voir, « Je me suis retourné et j'ai vu quelque chose qui courait vers moi. Cela se trouvait environ à 20 mètres de moi. J'ai vu des yeux rouges qui brillaient. Je me suis précipité dans la voiture et j'ai verrouillé les portes. La chose a attrapé l'une des poignées. Je ne pouvais voir son corps depuis le bas de son cou. Trois grands doigts et de longs ongles noirs et une peau verte et rugueuse. Cette chose était forte et en colère. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu quelque chose de flou, vert et bouger. J'ai pu voir ses orteils, puis il a sauté sur le toit de ma voiture et j'ai cru entendre un grognement. Puis j'ai pu voir ses doigts sur le pare-brise, là où il s'accrochait au toit. J'ai accéléré, j'ai fait une embardée pour le détacher du toit. Le témoin aurait finalement réussi à déloger la créature qui s'agrippa sur son toit en zigzagant. De retour chez lui, la seule preuve de cette rencontre furent les dégâts occasionnés à son véhicule. L'un des rétroviseurs était endommagé et son toit portait des marques de griffure. Davis a été tué le 22 juin 2009 par un cambrioleur, mais a toujours maintenu pendant toute sa vie le récit de son histoire. Dans les mois qui suivirent cette première observation, plusieurs autres témoignages au sujet d'une grande créature reptilienne furent rapportés dans la région et des traces de griffes et de morsures furent retrouvées sur des voitures garées à proximité des marais. La plupart de ces événements étranges seraient arrivés dans un rayon de 5 km autour du marais de Bishopville. La créature est très, très impressionnante, mais n'attaque pas directement les témoins, dirait-on. On peut alors se demander si elle est réellement agressive envers les humains. À la différence d'un Yeti, qui peut, selon certains cas, être agressif envers ceux qui les approchent de trop près. Raison notamment pour laquelle on a si peu de témoignages. Face au nombre de témoignages émanant de personnes a priori fiables, les autorités locales de l'époque reconnurent que quelque chose avait réellement eu lieu, mais jugèrent qu'il ne s'agissait plus vraisemblablement d'un ours que d'un homme lézard. Deux semaines après l'observation de Davis, la police locale réalisa des moulages d'empreintes de pattes à trois doigts de 36 cm environ. Malgré l'exactitude des renseignements fournis par Davis quant à la taille de la créature, il fut toutefois décidé de ne pas envoyer au FBI pour des analyses plus poussées qui auraient été étudiées par des biologistes. Selon John Evans, porte-parole du South Carolina Marine Resources Department, ces empreintes ne ressemblaient ni à celles d'aucun animal connu et ne pouvaient pas non plus avoir été laissées par un animal mutant. Il faudra attendre 2005 pour qu'une habitante de Newbury, en Caroline du Sud, ne revoie deux créatures hommes lézards se promenant dans son jardin. En février 2008, Bob et Dixie Rawson, un couple de Bishopville, découvrirent d'étranges dégâts sur leur véhicule. Toute la moitié avant de notre van était endommagée. Il y a deux traces de marques, même à travers la grille avant. Les deux côtés du van, les au-dessus des roues ont été mordus et le métal est plié comme un bout de papier. La carrosserie présente également des traces de griffes et des taches de sang. L'événement rappela à Rawson les dégâts causés par l'homme lézard 20 ans plus tôt et certains crurent qu'il s'agissait là d'une preuve de son retour. Une partie des chats du couple disparut également le jour de l'incident. L'analyse des traces de sang retrouvées sur le véhicule révélera qu'ils appartiennent à un chien, ce qui mena le shérif du comté, Melvin, à penser que le coupable était un coyote ou un loup. C'est également l'avis du département of Natural Resources selon lequel ces dégâts auraient été causés par un chien cherchant à attaquer des chats réfugiés sous la voiture. Tout à fait logique. Peu de temps après l'événement, le shérif découvrit les cadavres d'une vache et d'un coyote dans un champ à proximité du domicile des Rawson. Mais il maintient malgré tout que le coyote était vraisemblablement le responsable des dommages occasionnés au van. Un autre cas un peu semblable, mais qui se passe bien des années avant.
Le premier témoignage au sujet de ce cryptide remonte à mai 1955. Alors qu'il conduisait, un homme d'affaires aperçut à trois ou quatre créatures étranges au bord de la route, près de Loveland, vers 3h30 du matin. Il s'arrêta pour les observer pendant 3 minutes environ. Mesurant à peu près 1 mètre, les créatures qu'il décrivait ressemblaient à des hommes à tête de grenouille, au crâne ridé, à la large bouche et sans lèvres comme celle d'une grenouille et au torse asymétrique. L'une d'entre elles aurait levé une sorte de baguette émettant des étincelles au-dessus de sa tête, répandant une odeur d'amande et de luzerne. L'homme d'affaires signala cette observation à la police, mais aucune trace de ces créatures ne fut retrouvée. Il faudra attendre 1972 avant qu'un officier de police, préférant garder l'anonymat forcément, qui roulait sur la Riverside Road vers 1h du matin, lorsqu'il vit sur la route verglacée ce qu'il prit au départ pour un chien. Il s'arrêta et illumina l'animal avec une lampe de poche qui se releva soudain et sauta au-dessus du garde-fou et se jeta dans la rivière Miami. Selon la description attribuée à ce policier, la créature mesurait environ 90 à 120 cm, pesait entre 22 et 35 kg, avait une peau tannée et des poils mouillés ou emmêlés qui lui donnaient une texture. Elle était peut-être dotée d'une queue et avait une tête évoquant celle d'une grenouille ou d'un lézard et pouvait sauter au-dessus d'un garde-fou de la route. L'officier contacta le poste de police et y retourna directement avec un de ses collègues sur les lieux de sa vision. Ils constatèrent la présence d'éraflures sur le flanc de la colline menant à la rivière. Aucun rapport officiel ne fut écrit au sujet de l'incident. En effet, les deux policiers ne voulant pas ruiner leur carrière et leur réputation, ils voulaient simplement être deux à constater les traces laissées par ces êtres tout à fait à part. Voilà, c'est souvent le cas face à l'inconnu. Nos références sont le connu, excluant ainsi toute la nature de ce que l'on observe. En effet, un ours ne saute pas souvent sur une voiture, encore moins en marche, et ne s'attaque très rarement, voire jamais, aux véhicules stationnés. Le témoin qui relate des faits extraordinaires avec des traces physiques de leur dire, même avec les plus grandes des peurs, ça ne change pas la forme des agresseurs. Donc, ne croyant pas ces gens, les autorités ne cherchant pas non plus les réelles causes, les histoires et légendes ne cesseront jamais de fleurir. Car vous ne pouvez croire tant que vous pouvez croire tant que vous voulez, si vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas savoir. En attendant, toutes ces créatures, qui sont à l'origine de pas mal de maux, n'ont pas de soucis à se faire et les futures victimes de ces monstres ont de graves ennuis devant eux. En effet, ils ne seront pas pris en sérieux, seront traités de fous, mais en attendant, le réel coupable pourra facilement faire peur ou même tuer froidement ses victimes sans jamais être inquiété. Donc nous sommes en présence d'un gouvernement et d'autorités qui vont faire croire qu'ils contrôlent tout, or ils ne contrôlent pas grand-chose. J'espère pour vous que jamais vous ne verrez ce type de créature, car si c'est le cas, votre vie sera ruinée. En plus, votre traumatisme, créé par cette vision non voulue, vous serez bien seul face à cette vision qui sera votre meilleur ami, car les humains vous auront complètement oublié et pris pour des fous.